Très bien. Bon, bah, du coup, ça c'est cool. On va retourner en expédition là. Ce qu'il y a, c'est. Oh, c'était quoi ça? Du sable. Ah, non, ce qu'il y a, ce qui serait bien. Ah, ce qui serait bien quand même, c'est que je trouve. C'est que je trouve ce qu'il y a à trouver quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que je fasse gaffe à ma faim, à ma soif et à mon oxygène. Je vois pas de fragments franchement. Vous croyez quoi? J'essaye d'aller là-dedans là. Ouais, je prends mon oxygène. Hop. Et on va essayer d'y aller. De toute façon, on verra bien. Allez hop. Plus de 100 mètres de profondeur. Moi je vous dis qu'on va croiser un truc chelou. Bah déjà qu'on en a croisé un. C'était une sorte de calamar géant. Oh là, oh. Eh, vous croyez que je vais survivre à la pression moi? Je suis quoi? Non 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 non. On remonte, on remonte. Non non. Allez remonte. Ben j'aurais jamais le temps de remonter moi. Jamais. Regardez mon oxygène. Je suis à plus de 100 mètres de profondeur là. Si. Si ça va le faire. Non non mais hey, je suis pas équipé pour aller là-dessous moi. C'est pas possible. Alors que je suis sûr que là-dessous il y a des trucs y a des trucs bien à ramasser. Genre des trucs de fou. Je sais pas quoi mais. Si vous voulez savoir une pieuvre géante ou j'en sais rien. On en a déjà croisé une. Radiation détectée. C'est ça qui me fait la radiation. Ouais, je suis sur son dos. Oh, mais c'est quoi ce machin quand même? Ça doit bien servir à quelque chose, ça. Non, je sais pas. C'est peut-être un décor ou. Franchement, là, je sais pas. Là. Non, bah non, bah là, c'est bon. Je vais pas y aller, là. Alors, par contre, je me demande un truc. Est-ce qu'il y a une fin à ce jeu? C'est pareil, jeu de survie, donc faut gérer sa faim, sa soif et tout. En général, on n'en voit pas le bout de ces jeux-là. En général. Mais là, peut-être que je connais pas vraiment le jeu. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une fin. Alors si vous êtes au courant de quelque chose sur la fin du jeu ou quoi, voilà, je veux pas être spoilé sur la fin du jeu, mais dites-moi juste s'il y a une fin ou pas. Parce que là honnêtement, j'en sais rien. Ouais ouais ouais. C'est quoi ça? Hop. Du titane. C'est pas fort. Ouais, calorie deficient détecté. C'est pas un problème. Je vais manger ça. Ça, ça rapporte à boire et à manger. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez? Hop là. Quoi? Je suis full? Ah, je suis full à l'inventaire. Ouais. Regardez, je vais manger ça. Regardez la faim et la soif. Allez, hop, et puis on mange ça encore. Oh, mais oh! Arrête-toi, là. Titane. Je vais reprendre mon machin, là. Je vais aller voir un peu dans les grottes là. Du titane. Titane. C'est quoi ça? Ah, ça c'est des espèces de poissons. C'est. Ouais, c'est titane ça. Titane. Mais il y a que du titane quoi. Ça m'intéresse pas le titane. Franchement, je crois que c'est ce qu'on trouve de plus, le titane. Voilà, ça, ça m'intéresse, du cuivre. Titane. Oh! Cuivre. Oh, 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 c'est quoi, ça? Allez, c'est mon fragment. Merde, peut-être il se rifle le fragment.
Ah, c'est pas grave. Oh, l'oxygène. Mais non. Oh là là. Oh la pression. C'est le cas de le dire. Et je suis tellement borné à ramasser le cuivre, les fragments et tout, que j'en ai oublié de respirer, moi. Vous vous rendez compte? Voilà, ça par contre je prends. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans cette caverne? Du cuivre. Ah, ça c'est pas mal, on commence à ramasser pas mal de cuivre là. Titane. Non, oh, lui il va m'attaquer lui. Non, 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 non. Titane. Dégage, non. Je vais ramasser un peu d'acide morchaume. Parce que du coup je compte bien me faire une batterie en fait. Hop, ouais, ça fera l'affaire. Non, non, ça fera pas l'affaire. Je vais les manger, je vais en ramasser d'autres. Ouais, je vais faire attention à mon oxygène à ce coup-là. Voilà, c'est bon là. Là, ça fera l'affaire. Elle est où la base? Elle est là-bas, elle est si loin que ça. Attendez, je regarde au passage s'il n'y a pas de fragments. Ouais, 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 ouais. C'est bon, c'est bon. Ça passe. Oh, regardez. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? C'est du titane de toute façon. Ouais, inventaire fou. Bon, on va retourner à la base tranquillement là. On va aller voir ce que ça dit tout ça. Oh, remonte. Voilà. C'est bon. Alors, déjà, de toute façon, voilà. Ça, je fais une batterie directe. Ça, c'est sûr. Copper wire. Tiens, vas-y, je vais en faire un. Allez, hop. Voilà. Batterie Advanced Wiring Kit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah, Terraformer Fragment. Ça. Ça, je l'ai, ça. Non? À moins que je suis mort. Je comprends pas pourquoi il analyse pas. À mon avis, il analyse pas parce que je l'ai déjà. Je pense, hein. Grave sphère. C'est quoi ça, grave sphère? Je vais en faire une. Je sais pas vraiment c'est quoi. Ça se prend de la place en tout cas. On va voir ça plus tard. Silicone. Vas-y, je vais en faire un, tiens. Hop, c'est bon là. Je vais manger ça. Par contre, c'est quoi ça, grave sphère? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça attire les poissons qu'il y a aux alentours. Ah, ça c'est pas mal ça. Vous voyez, pour se ramanger rapidement. Bref, je vais le prendre. C'est intéressant. Par contre, 8% d'énergie. Bon bah ça va, j'ai une batterie sur moi. Ouais. Nos batteries in inventory. Vous rigolez ou quoi? J'ai fait une batterie. C'est une morchum. Bah attends. J'ai pas une batterie là-dedans, non? Hop. Là-dedans, j'ai pas une batterie. Divril. Ah oui, ça c'est la... La corde. La corde pour aller dans les grottes et tout. Eh, mais j'en ai deux. Je vais en jeter une. Hop. J'en ai pas besoin de deux. Hop, celle-là. Allez, hop. Va-t'en. Voilà. Celle-là, je la jette. De toute façon, j'en ai pas besoin de deux. Hein. Ouais, par contre, il va me falloir de l'acide morchum, du coup. Parce qu'en fait, apparemment, bah, j'ai pas fait la batterie. Il me semblait l'avoir faite. Hop. Voilà. Voilà, normalement, j'en ai assez, là. Hop. Oh, plus de batterie. Ouais, bah c'est pas grave, je vais en faire une. Je vais en faire une. Hop. Est-ce que je peux en faire deux? Ouais, je peux en faire deux, c'est cool. Bah vous savez quoi? Je vais faire un power cell en fait avec les deux. Vu que j'ai encore du cuivre. Normalement j'ai encore du cuivre. Non. Si, j'ai encore un cuivre. Il me faut deux cuivres pour faire une batterie. Peut-être là. Non, j'ai plus de cuivre. J'ai plus de cuivre. Bah attends, c'est pas grave. Qu'est-ce qui me manque? Advanced Wear Kit. J'ai un Wear Kit. Mais il est peut-être pas Advanced. Ça se trouve, pour qu'il soit Advanced, faut le mettre là-dedans. Non, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Ou à lui, on va le laisser là-dedans, on va voir un peu. Hein.
Donc ouais, calories, 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 je sais, je sais. Je vais manger. Par contre, ce qui est con, c'est que... Il me fallait combien de cuivres pour faire une batterie? Je sais plus, hein. Je crois que c'est deux, hein, non? Il me semble que c'est deux cuivres pour faire une batterie. Et là, voilà, pour retrouver du cuivre, là, ça va être chaud, surtout que j'ai pas le planeur, j'ai pas de batterie, en fait. Donc ça risque d'être un peu plus chaud. Ça va le faire, hein. Du sel. Non. J'en veux pas. Par contre, ça, j'en veux, ça. Voilà, viens ici. Lui aussi, là, pas, je le veux, là. Hop. Y'a pas un autre, là? Tiens, y en a un autre, là. Ça, je les prends, ça, ceux-là. J'ai l'impression qu'on en trouve pas tout le temps. Ils sont assez rares. Puis vu que notre bonhomme, il a souvent soif, ben voilà, quoi. Oh, oh. Fragment. Fragment de quoi? Oh, yes. C'est ça que je cherchais. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Oh, c'est ça que je cherchais. Oh, c'est impeccable. Et si je pouvais trouver un cuivre, ce serait génial. Alors pour trouver du cuivre, faut aller vers les plantes vertes là. J'ai l'impression que là-bas, il y a pas mal de cuivre. En tout cas, là, j'ai le CMOS fragment, ça fait plaisir. Ça, ça veut dire que le sous-marin n'est pas loin. Et je pense que ça doit être quand même pas mal. Voilà, tiens, c'est par là le cuivre. Tiens, là, il y a un rocher. Oula, 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 oula. Ouais, ouais, ouais. Non. Vas-y, du cuivre. Du titane, mais non. C'est pas ça que je veux. Tiens, il y en a un ici. Titane. Tout à l'heure, j'en trouvais à foison du cuivre. Cuivre. Yes. Eh ben, tiens. Oh, c'est quoi ça? Je m'en vais. J'ai pas le temps de ramasser les roches au-dessus. Pour tout vous dire, je sais même pas si je vais avoir le temps de remonter. J'ai fait le couillon, là. Urgency. 10 seconds of oxygen remaining. Allez, vas-y, remonte, remonte. Oh, on va pas avoir le temps. Je suis remonté. Oh, j'ai réussi à remonter. Oh, le truc de fou, quoi. Et franchement, j'étais à ça, cette fois-ci. J'étais à ça. Je suis resté appuyé sur la touche Z et... je me suis dit, allez, vas-y, on verra bien. Et bah, c'était cool. Oh là là. Et bah, c'est cool. Nickel, j'ai réussi à remonter. Par contre, je vais aller manger un peu de grapevine, là. On va retourner à la base. Je vais me faire une batterie. Je vais recharger un peu mon planeur. Et je pense que ça va être cool. Ça. Hop. 20%, je suis stabilisé. Elle est où la base? Elle est là-bas. Oula, on fait le temps. Tiens, ça fait quoi? On va se faire un petit gueuleton là. Si je lance ça, ça fait quoi? Non, je crois bien que ça attire la fumée verte. Ouais, bon. Ouais, laisse tranquille, on va remonter. Je vais juste ramasser les petits champottes là, histoire de manger un petit coup quand même. Hop, champottes, impeccable. Voilà. On va se faire de l'eau. Ça, les poissons pour faire de l'eau, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a pas partout. Hein. C'est assez dur à trouver. Du coup, on va se faire une batterie. Ah bah non, bah ouais, j'ai bouffé tous les champignons moi. Ah ouais, il me faut de l'acide morchum pour faire la batterie, il m'en faut 3 je crois. Attends, d'habitude on en trouve partout. C'est toujours quand on a besoin des trucs qu'on les trouve pas quoi. Et ça, ça marche avec tout. Hein. C'est pas uniquement que dans les jeux. Voilà, allez. Normalement, ça devrait aller. Allez, impeccable. C'est bon, la base, on y retourne. Caution, calorie deficiency detected. Ah bah ouais, j'ai faim, je sais. Je sais. Tiens, lui, on va le faire cuisiner. Il m'a l'air bien grassouillé, là. Non? Hop. On va se cuisiner ça. Par contre, il me faut du sel pour cuisiner. Bon. Hop, déjà, batterie. Ok.
ça. Je vais recharger le planeur. Ok, là il est à 100%. Je vais prendre du sel. Hop. Impeccable. Normalement maintenant je peux cuire mon poisson. Hop. Alors, est-ce que c'est bon cette affaire? Ah oui, c'est pas mauvais. Ça c'est clair. Par contre, tiens, je vais me refaire une batterie. Hop. Le CMOS fragment. Impeccable. Voilà. Ça c'est cool. Je vais boire un coup. Je vais reboire un coup. Et encore un coup. En fait j'ai tout bu quoi. Voilà. Le power cell. Bah tiens, attends. Qu'est-ce qui me manque là maintenant là pour le sous-marin là? Eh, je dois pas en être loin là finalement là. Je pense hein. Ça c'est la première fois qu'il monte dessus comme ça. D'habitude il monte dessus en catastrophe et là genre il prend l'échelle et tout bien comme il faut. Alors power cell, j'ai du cuivre, j'en ai du verre, ça va pas être dur. Le CMOS blueprint, on va l'avoir. Et le titane, j'en ai. On a tout les gars, on a tout. On a absolument tout. Je retourne à la base. Alors du titane, il en faut 3, j'en ai. Du verre, j'en ai. Du power cell, on en a un. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Par contre du verre, il en faut 2 hein. Et bah voilà. Et maintenant, attendez, je vais voir quand même là, vite fait là. Attends, comment que j'ai fait tout à l'heure pour monter dessus là? Genre, un truc classe et tout là. Ah, yes. Ah, moi je montais tout le temps dessus, genre à l'arrache et tout. Et bah voilà, on a tout ce qu'il faut. On attend plus que le CMOS Blueprint. Et bah ça c'est cool. Et bah on va attendre tranquillement, on va patienter un peu. Voilà. Bon bah en attendant que ça se... ça charge le CMOS Blueprint, on va aller faire un petit tour tranquillement. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon ça va, j'ai un peu de place. J'ai de quoi ramasser quand même quelques cuivres, des trucs comme ça. Cuivre, silver. Alors par là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de silver aussi. Bon par contre j'ai faim là, tiens lui. Mais l'air bien goûteux. Viens ici. Hop. Je vais lancer ça. New technology created. Ah, new technology created. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que le CMOS blueprint est prêt. On va aller chercher ça. Voilà. On va retourner à la base. On va aller faire cuire tout ça bien gentiment. J'ai un peu de sel. On va se régaler. Vous allez voir, aux petits oignons et tout. Voilà, et là on va pouvoir faire le sous-marin là. Alors, d'abord, avant de faire le sous-marin, disons qu'on va... on va manger un petit bout du sel. Bon, et ben voilà, on va faire cuire tout ça. Normalement je peux en faire 4 avec le sel. Ce sera parfait. Regardez, en plus mon bonhomme il a bien faim là. Alors du coup c'est bon pour les poissons. On va manger ça. Hop là. Cookette, cookette, cookette. Ah ouais, en plus ça me redonne de l'eau. Impeccable. Par contre le reste je vais le ranger. Je vais le mettre de côté. Hop. Tiens, lui il est cuisiné. On va le mettre là. Les autres ils sont pas cuisinés. Ah, ils sont pas mal ces petits poissons. Moi j'aime bien. Franchement, sympa. Ouais. Par contre, maintenant, ce qui va être intéressant. Ah, bah non, c'est bon. C'est déjà fait. Alors. À nous le sous-marin. Voilà. Monte donc là-dessus. Titane 3, bon bah ça c'est pas un problème, ça j'en ai. Allez vas-y. Hop, du titane. Voici qu'il y en a du titane. 1, 2, 3. Voilà. Bon bah maintenant c'est bon. J'espère bien qu'il va nous le donner ce sous-marin depuis le temps que je l'attends. Ah, voilà. Oh. Oh yes. Oh yes. Oh.
Oh, ça c'est cool ça. Attends, laissez-moi l'admirer quand même. Depuis le temps que je le voulais. On dirait. Sans déconner. Sans déconner, on dirait la petite capsule à Goldorak et tout. Je sais pas si vous voyez, pour ceux qui connaissent. Ça me fait grave penser à ça quoi. Goldorak. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Oh, comment c'est bien! Par contre, la main devant là, c'est tout pourri. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça ils auraient pu l'enlever. Oh, ça se dirige avec la souris. Ça se dirige assez bien. Bon, du coup, je vais voir ce qu'il faut pour faire le Cyclops maintenant. Ah, par contre, il va vite, hein. Franchement, ça c'est cool. Ça va plutôt vite. Et regardez, on perd pas d'oxygène dedans. Ça, c'est cool aussi, ça. Je vais voir ce qu'il faut pour faire le Cyclops. Plastil lingot x5, c'est quoi ça? Enamelette glace advance... Ouais, là, j'ai aucun des trucs. Ah si, par contre, j'ai le Cyclops Blueprint. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, à mon avis, tous ces machins-là, va falloir trouver ça un peu plus en profondeur. Ok, allez. Ah bah voilà, là il a les mains calées sur les côtés, je préfère quand même. Bon, on va aller faire un tour avec tout ça là. Attends, il y avait une grande cavité tout à l'heure là, où c'est qu'on pouvait pas rentrer. La cavité qu'on avait vue dans le décor des herbes rouges. Bah justement, maintenant que je peux y rentrer, je compte bien y aller. Voilà, voilà, c'est par là. Par contre c'est pareil, hein, l'énergie... Bah l'énergie ça s'use. Hein. Ah bah vous allez voir que je vais pas retrouver la cavité. J'étais descendu à 200 mètres de profondeur. Oh là, attends. Radiation détectée. Non, 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 je m'en vais, c'est bon, j'ai compris. Oh, ça doit être ça les radiations. Ah, ouais. C'est bon, je m'en vais, c'est bon. J'ai compris. Je perds de l'énergie là. Voilà, c'est bon. Bon, bah, du coup, je vois pas la cavité là. Je la retrouve pas tout de suite maintenant. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais rentrer vers la base. Voilà, impeccable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode sur Subnautica. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et ciao tout le monde, bye. Non. Ah, ok, d'accord. Ok, good game. See you later. Bon, bah voilà, bon, bah je vais dans un secours. Quand il va voir ça, il va être dégoûté. Donc, graphiquement, il est en train de parler du poil et tout. J'arrive, j'ai repoussé la goutte de fer par derrière. On va écouter, on a déjà pas mal de stuffé, j'ai envie de dire, pour un début. C'est plutôt bon ça. On a des lingots de fer, on a de la laine, on a un gros bug graphique. On a de la ferraille, on a du bois, on a pas mal de bois. Alors qu'on a pas encore coupé un arbre.